Paris, 73 51 les stations fréquences. Donc là, pour ceux qui connaissent, on est au nord de la Rochelais, en direction d'Angoulême. Et il y a du monde sur le 19. Ça fait un petit moment que je les écoute là. Tac, on arrive en Charente. Attendez de me rapprocher un petit peu avant d'allumer la vidéo. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des panneaux comme ça. Et 73-51, les stations fréquences de Dundee 33. Et 73-51, retournez. Je crois qu'on s'est pas compris. On est le matin, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Rester sur le canal de la route. Bon, bref, il y a du monde sur les 40 canaux. Et ceux-là et eux sont là tous les jours. Attention, Colibri pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Colibri pour Dundee 33 qui t'appelle. Oui, monsieur Dundee. Ah, il est là. Les 73-51, comment vas-tu avec ce beau temps, grand soleil, tout, la plage à portée de main et tout. Le Rémi là à côté de moi, il me touche là. Non. Bonjour le sous-entendu. Ah, je suis trois coups. Non, bon, on se comprend, t'es pas loin de moi là. Non, je suis là sur sur la rocade Est. Je viens juste de voir le panneau, là, il y a les ronds-points et tout. Hein. Attends, j'ai pas compris, tu m'as dit c'est la route de... Là, oui, ok, je vais essayer de m'éloigner un petit peu du micro. La rocade Est, voilà, c'est ce que j'ai vu le marquer, Est. Oui. Mais c'est pas logique, d'où j'arrive. C'est Angoulême. Bon, d'accord, Angoulême, je dirais le sud d'Angoulême. Ouais, je pense que c'est plus ça, quoi. Ouais, Rocade Est, t'as faim de chercher. Bah, écoute, t'es terrible parce que, moi, tu sais, tu me donnes une sortie ou un truc comme ça, je comprendrais beaucoup, mon pire ami. Eh ben, oui, on est de sortie, oui, ça, c'est sûr. Ah, chi. Non, mais c'est que là, c'est un peu compliqué, là, pour te dire exactement. Enfin bon, bref. On est sur la départementale. Alors, départementale D1000. Voilà, exactement. Non. Hein, si, D, Fabienne, D1000. Oui, bon, d'accord, départementale 1000. Bon, j'en ai une qui vient de me taper sur la tête à côté. Hachi, entre guillemets. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Zone de Rabion. Oui, là, on est en train de longer la zone de Rabion. Ok, oui, c'est sur la Débile, à Rabion, c'est à Rabion. Là, moi, ça me situe beaucoup mieux. Ouais, c'est sur Girac, Rabion. Putain, Girac, Rabion. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et, attends, voilà, j'arrive sur un rond-point. Où je vais, moi? Ah oui, rond-point à droite. Eh bien, on est en balade. Voilà, on est parti, il devait quoi, 7h moins le quart. Moins 20 par là, bon bref 7 heures de QRA là du côté de Castillon la Bataille, et on s'en va et bien directement là tout là-haut sur le Pas-de-Calais aller voir le fiston. Oh putain, oui, là c'est la grande escapade là, ouais. T'as une superbe radio là, ça part super bien. Moi je parle pas du signal, je ne colle pas d'aiguille, t'envoies la patate là, il n'y a pas de problème.
La radio est super. Ok, merci, c'est sympa pour le report de module. Allez, voilà, on y va. Tac, on roule. Mais oui, ça klaxonne, c'est pas grave. La route. Ils ont volé la route, les cons. Ok, voilà. Ouais, on va aller voir le fiston et sa petite famille parce que, eh bien, il est papa depuis. Oh, ça fait déjà combien de temps, Fabien? 16 mois. 16 mois? Ah oui, bah depuis 16 mois. Bon. Il va être malade, ouais. Mais moi, c'est, je vais être dans le même cas dans 20 ans, moi, tu vois. C'est comme toi, je vais te grand-père une deuxième fois. Ouais, non, moi, c'est la première fois. Et franchement, dans la tête, j'ai pas du tout l'impression d'y être. Ah, ben oui, mais écoute, tu te rajeunis pas non plus, toi. Ah, t'as remarqué, toi aussi. Eh oui, j'ai les 76, moi j'ai parti les 77 après, hein, tu vois. Waouh, qu'est-ce que ça passe vite, hein. Attends, que je... Voilà, ça y est, je suis sur la voie rapide, là. Ok, ben j'en ai que 59, hein, pour ma part. Hein. Ah ouais, ben, j'arrive à la retraite. Alors là, franchement, c'est pas un truc qui m'attire. Déjà, tant que l'XYL travaille, eh bien, je continue. Et puis voilà, quoi. Et puis ça me permettra de grossir la retraite. Ah, mais j'en fais le bisou, il n'y a pas de problème. Plus à retourner. Alors attends, voilà. Ok. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas un truc. Non. C'est pas un truc qui m'attire, ça, la retraite. C'est tant que je peux, ça veut dire que je suis en forme. Enfin, c'est un petit peu ce que je me dis en même temps. Bah, j'étais en train de chercher le prénom d'YL. Fabienne, voilà le prénom d'YL. Fabienne, voilà. Voilà, c'est ça. Et pour ma part, parce que c'est vrai qu'on s'appelle très souvent par les QRZ, c'est Rémi. Ah bah oui, ça y est, non, n'importe quoi. Oula, je suis fatigué ce matin, moi. Bien que j'ai rêvé, moi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Gérard, tu sais bien. GG pour les dames. Oui. Voilà. Mais j'étais avec Alexis tout à l'heure. Mais oui, vous avez même fait QSY sur sur votre canal habituel. Du coup, moi, je suis resté sur le canal de la route. Ah, ben oui, je suis parti. Ben oui, j'avais dit avec moi. Mais j'ai toute ma petite équipe qui est là, tu vois. J'ai Dominique de Jarnac, j'avais Bruno Septas qui est de Sèvres ou tout ça. Ça arrive tout en même temps sur le même canal, tu vois. Enfin, on a deux canaux de dégagement. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Je suis resté là sur le canal de la route, paf, voilà, ainsi de suite. Hein. J'ai entendu quelques voitures bip, j'ai entendu des siffleurs aussi. Je me suis dit, tiens, bon, je ne me suis pas senti concerné pour répondre. Ils devaient appeler leur chien. Ah, chi. Voilà. Là, on va faire papa, celui-là, puis celui-là. Ah oui, non, mais là, c'est. Là, on n'est plus. Comment dire, je suis en train de chercher une connerie là. Il y en a encore un autre. Ah bah oui, mais là c'est du pro là, c'est carrément, on sent le professionnel derrière là. Ah bah oui, mais là personne ne peut concurrencer là pour le coup. Hein. Pourquoi il freine? Pourquoi il y a un devant moi, il met son clignotant à gauche. Hein. Et on est en plein sur la voie rapide, une barrière au milieu et tout, tu sais, il compte tourner les roues, lui. Hein. Ah, je prends un coup. Non, mais là, c'est. C'est sûr que là, on n'est pas du même monde, là. Si tu m'envoies des trucs comme ça, là, c'est sûr que là, on ne peut pas concurrencer, là, c'est pas possible. Là c'est déloyal. J'en ai un à chaque pouce aussi. J'en ai encore deux autres à monter là. Dans ma base, ma base est en rate en ce moment. Je vais me donner 4009 là. Ok, d'accord. Mais là, dans le push, moi, c'est le Nikon 2. Hein. Nikon 2 Plus avec lequel je suis là. Et le micro d'origine. Hein. Ouais, ben ça s'entend, c'est un micro d'origine là. Et ben, il n'y a pas de problème. C'est... On sent que c'est pas le micro préamplé. Mais moi, tu vois, le Nikon, j'en ai un derrière mes fesses là pour le remettre en route aussi. Ok, donc la première génération.
Elles sont pas mal, ceux-là. Je crois que... Attends, c'est pas... Au niveau des canaux, je crois que c'est par, par 50 canaux hein, qu'il est dessus. Hein. C'est pas 40, hein. C'est bien ça, non? Je me trompe. C'est ça, oui. S'il faut au-dessus, ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si tu veux te mettre sur le canal 27, il faut que tu te mettes sur le 28 pour être bien sur la bonne fréquence. Ça doit être un truc comme ça, je crois. Pour être bien calé, oui. Ouais, c'est ça, oui. C'est, bon, c'est un coup à prendre. Oui, bah, après, il suffit de faire le calage au départ, puis c'est bon, pas de tirage. Oui, voilà, oui. Un peu comme le RCX au-dessus, j'ai 2970 au-dessus, là. Ah oui, tu me l'avais dit, oui, effectivement. Putain, mais celui-là, la vache, sur un détecteur qu'il a en dessous, remarque, faut ça. Hein. Alors, j'ai un, je l'ai, alors, en 29-250, mais sous la marque Summercamp, là, au QRA. Bon, j'ai un petit problème sur la pile dessus, bon, du coup, il est resté de côté, parce que, bon, à chaque fois, là, dès que je le rallumais, bon, il était déprogrammé et tout, ça, à cause de ce problème de pile. Oh, je vais laisser tomber, mais si, c'est pas grave. Ça sera l'occasion de changer de poste. Ouais, parce qu'il faut changer la pile, simplement, la petite pile de réserve mémoire, et c'est reparti. Oui, elle est juste derrière la façade, c'est une pile d'ordinateur. Et avec, il ne faut pas oublier de prendre un support de pile avec les deux fils que tu viens souder à la place. Tu colles ça dedans, et puis voilà. Alors, tu fais comme moi, tu sors deux fils par l'arrière, tu fais un petit boîtier de pile de R6, 1,5 V, ça marche pas bien. Toi, ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord, je pensais plus. Pourtant, avoir comme ça, on dirait une pile une pile d'ordinateur. Oui, j'ai une pile de 3 volts. Tu sors deux fils de plus et moins à l'arrière de du poste. Tu vois, tu sors à l'arrière et tu colles un petit boîtier où tu peux mettre deux piles d'artiste en série et hop, ça marche pareil. Ouais, remarque, ouais, bah oui, t'as raison, ouais, effectivement, ouais. Là, je vous donne avec l'air, c'est là. Ah, ok, oui. Donc, tu vois la différence de radio entre les deux. C'est pas le même micro, ça va un peu plus que j'ai. De l'autre côté, ça n'aime pas plus qu'à ton détail. Et on voit, attends, sortie, oui, je suis pas très loin de la sortie 57. On voit que je fais le tour de la colline, hein, parce que là, bon, c'est le signal a quand même baissé. Ça va être bon aussi, hein. Oui, je me doute. Si c'est dans un sens, c'est forcément dans l'autre. Ah, j'y crois que vous. Alors, voilà. Ah, ben, j'ai la sortie 57, c'est-à-dire. Ça doit être Brillé, je pense. Balzac, Champmière. Voilà, je suis en train de passer à la hauteur de cette sortie-là. Champmière, Brillé, Balzac. Oui, voilà, à tes souhaits. C'est bien ça. Bien mon coin, moi je prononce bien. Ah, désolé. Puis en passant comme ça, je veux dire que j'ai lu un peu vite fait. C'est surtout qu'il était dans le trou de charnier là-bas, des chevaux là-bas, le trou de chevaux, ça passe mal là. Après, l'autre côté, ça passe un petit peu mieux après. Quand tu vas remonter vers la Chignole et compagnie, moi je te dis ça comme ça, mais mettre de bois, c'est compagnie, c'est sur la route de Poitiers là. Ah ben là ça remonte là voilà, embarque moi avec. Là au niveau de la route là je suis en train d'arriver en haut de la colline. Le signal a remonté avec. Bon il y a un petit peu de monde hein, mais c'est au QRO là au niveau circulation. C'est on pourrait pas se que fermer les yeux pour rouler. T'es parti siffler sur la colline, t'es déjà. J'ai pas compris. T'es parti siffler sur la colline comme un tassin. Oh putain. Oui, il y a un petit peu de surmodule là, je crois. Voilà. Là, on part sur Poitiers, normalement. Si Bruno Saint-Nafé est par là, tu vas le copier normalement. Attends, je suis en train de m'éloigner. Alors, la Chignole a sorti 56 à 1 km. Alors voilà, je suis dans cette direction-là. Dans le trou de la Chignole, parce que ça passe petit, la Chignole. Ouais. Ah bah oui, vu la route, là, je redescends, donc ça va baisser un petit peu. Voilà, j'arrive à la hauteur de la sortie de la Chignole, sortie 56. Voilà, et après, tu vas vachement remonter, là, dans le même bois que ça va pas remonter, là.
Ouais, je vois ça là déjà au niveau de la route, là au niveau du relief. Effectivement, ça va le faire. Ah oui, je te copie toujours bien, il n'y a pas de problème. Oui, bon, j'ai un petit peu de. J'ai un petit peu ce qu'il fout derrière aussi. Bon. Mais t'as pas besoin de le dire, je le sais. Alors, pour les oreilles qu'il y aurait derrière, qui pestent les Alfa Lima et tout comme ça, qu'ils entendent bien que le but recherché est juste en mobile d'être à peu près à équivalence avec les stations fixes. Autrement dit, quand je commence à perdre un OM en fixe, lui me perd à peu près avec le même signal. Alors, je dis ça parce que je me souviens avant, les mecs en fixe commençaient à me perdre. Moi, il m'arrivait encore à 8 dans le push. Je me suis dit, merde, ça fait un petit peu chier sur le coup. Là, bon, ça reste équivalent, quoi. Autrement dit, sur 10 watts maxi en puissance d'entrée, je suis à 4-5 watts. Et sur 6 positions, je suis à la position 4. Donc tu vois, là, je suis vraiment soft dedans, quoi. C'est lequel que tu as dedans en position 4, c'est quoi comme devait être? Alors c'est le Zetagi B550P. Ah, il fait de la longueur. Hein. Derrière, là. Ouais, il a une bonne longueur, hein. Il est assez long, hein, comme Alfa Lima. Ouais, c'est le B550P. Allez, et la longueur de ma dernière, ça fait combien? 20-25 cm? Oh, facile! Oh oui. Oh, oui, parce qu'il est fixé sous la boîte à gants, et puis il vient toucher au fond, là-bas, contre le... Là où on met les pieds, quoi. On a les véhicules, c'est des B300. J'ai eu un B300 que je poussais à fond. J'ai pas vu l'étiquette en dessous. Position 6, c'est maximum 4 watts. Oui, sauf que vu que je découvrais un petit peu les Alfa Lima à ce moment-là, ça fait pouf. Je me suis dit ok. Donc, pour avoir la même chose, sans tirer trop fort dedans, j'ai pris le B550P. Voilà. Et du coup, je tire un minimum dessus. Avec autant de puissance qu'avant. Ah oui, je suis un peu sur 4, moi c'est pareil. Oui, et puis je peux te dire que là c'est très très propre. Hein. C'est nickel, c'est fluide. Putain, j'allais dire fluette. Non, c'est plus la même chose. Hein. C'est très fluide, c'est vraiment, il n'y a pas plus propre. Hein. Ah, peut-être quelqu'un qui a voulu en placer une. Ah, une porteuse? Ouais, bon, tu sais. Hein. Pourtant, moi, ce qui me concerne, je suis sur la route, donc au bon endroit, on va dire, au niveau du canal. Alors, il y en a qui ne comprennent pas trop. Il y en a qui confondent le 19, donc canal d'appel, c'est vrai, et le 555, qui là est qu'une fréquence d'appel et rien de plus. Le canal 19 est en même temps le canal de la route. Ce qui veut dire, pour ceux qui ont du mal à comprendre ça, ok, c'est un canal d'appel, c'est vrai, on fait QSY si on dérange, bien entendu, c'est en toute logique, mais pour faciliter un petit peu et être plus dans la sécurité routière, eh bien on a tendance à gêner dessus, mais tout en faisant attention à ne déranger personne. Voilà. Écoute, mon petit Rémi, je vais te souhaiter la bonne montée parce qu'après je vais te refaire de l'autre côté. Je te souhaite bonne route et puis au prochain coup de test retour. Je suis là tous les matins. Oui, je sais bien. Alors je reviens ben, mardi. Je sais pas vers quelle heure je passerai dans le coin. Ce sera surprise. Mais oui, voilà. Là, bonne journée à toi et bon QSO, profite bien des vacances. Je suis trop cool, surtout pour toi. Tiens, je suis en train d'arriver sur les éoliennes. Et je te dis à plus, c'est 212 qu'il y aura. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis tout seul, donc ça ne pose pas de problème. Ben oui. Hachi, merci pour le QSO, à plus. Arrêtez, je suis tout seul, moi, à la maison. Le QRA, à l'extérieur. Ah zut, je n'avais pas compris sur le coup. D'accord, ok, ça marche. Ok, bon, ben, les bonnes sont 13,51, vu l'heure, eh bien, tu vas peut-être prendre un petit café tout à l'heure. Attends, 90, je ralentis. Et, bon, je te dis à plus. Mais méfie-toi en 90, ils sont souvent le radar.
Ok, bye. L'âge du vivant, à l'âge du vivant, méfie-toi. Je te dis, je fais quelques indications. Ouais, l'indication est bien passée. Il y a des paparazzi qui doivent être dans le coin. Allez, bonne route à l'enfant du Fiora. Bisous maman, et puis bon prochain coup, il n'y a pas de problème. Ça marche, d'ailleurs je me suis calé entre 2000 pattes pour être caché des paparazzi, hachi. Ok, allez, à plus, bouille, bye. Ah bah oui, non, je peux pas faire là. Je peux pas jouer dans la cour des grands. Eh oui, voilà, c'est ça en plus. Hachi. Ça m'est resté en vie. Bon, allez, j'arrête mes conneries. À plus tard. Merci, à plus tard. Bon, le Bruno, c'est ça. Il est pas là, lui. Pas fini de casser la croûte. Casser la gueule au chocolatine. Il n'a pas fini. Revenu, toi. Ah, il est sûr, hein. Voilà, mais j'étais avec le dandy froid, là. À un moment donné, là. Je sais, je l'entends. Oui, tu l'entends. Et toi, Rémi, je suis accompagné d'Eddy, là. Je sais pas, tu le copies, toi. Ah, putain, si je l'entends pas. Les 73-51, lui. Et, mais je suis en direction du pôle Nord. Voilà, on remonte à... Et l'autre qui est pas content derrière. Voilà. Je suis en direction du pôle Nord, les 73-51 retournés. La bonne roulade à toi et la prudence. Merci, voilà. Bon, là, je suis au nord d'Angoulême. Et je m'en vais sur le Pas-de-Calais, aller voir le fiston et sa petite famille. Les 73 à tout le monde et surtout la prudence pour faire autant de route. Allez, tiens, côté route, ça va, c'est vraiment tranquille sur la route. Hein. Merci, bye bye. Ça passe toujours. Il a la même kilomètre que moi à la maison, là, tu vois. Ça marche bien, bébé. Oui, ça marche bien. Touche à rien. Non, je bouge pas, là, je me suis arrêté. T'es arrêté? Allez, plus, bonne route. Bébé, l'habituel. Si, je suis toujours là. Ah, tu vois, t'entends encore? T'as sorti le temps? C'est le temps d'éteindre l'autoradio, tout ça. Si, ça passe. Et là, j'arrive à la sortie 50, Aunac, salle de vent, Chenon. Voilà, ça devient QRP de mon côté, mais ça passe encore. T'entends encore? La route de la radio, s'il te plaît. Je t'entends encore bien. Ouais, ben moi c'est pareil, là, ça passe encore, c'est QRP, mais ça passe bien. C'est pas comment ça que tu envoies. Une Wilson 5000, voilà, placée bien au centre du toit pour te dire que je l'ai mesuré, hein, l'endroit où je l'ai placé. Hein. Voilà, c'est une Wilson 5000. Ah, c'est une antenne américaine avec une grosse self à la base, qui est dans, on va dire, dans la lignée des K40 de ces antennes-là, quoi. Comme la K40, tu dis ? Elle ressemble à la K40, mais c'est la Wilson 5000. Ah oui, d'accord, oui. Oui, voilà, c'est... elle est dans cette catégorie-là d'antennes. Ouais, j'ai mis, là. Ah, je suis pas mécontent, c'est vrai que ça marche bien. J'en ai une demi-là, moi, sur le pouce.
Ouais, ok, d'accord. Et sur le camping car, la plupart, je ne sais pas si c'est comme ça, et dessus, j'ai de l'argent de 27 avec le surcorrel de goût là. Là, j'ai un petit peu, je commence à avoir un petit peu de mal à t'entendre. Mais bon, une ancienne. Attends, je. Non, je. Non, ah, je. J'ai pas bien compris. Hein. Ouais, une ancienne VT27, tu sais. Ah. Avec le sien en résine torsadé, la tête torsadée jusqu'au bout, avec le sien, là. Oui, la Tagra, effectivement. Oui, je me souviens, je l'ai eu celle-là. Torsadée noire. Alors, celle que j'avais, moi, c'était la version DX. Donc, torsadée noire de bas en haut, mais à espace régulier, hein, d'un bout à l'autre. Voilà, c'est effectivement, j'ai lu celle-là, cette Tagra-là. Et c'est vrai que ça marchait du tonnerre. Hein. Les Tagras, ça marchait super bien, celle-là. Ah, bah, tu m'étonnes, elle marchait tellement bien que je me suis fait voler à l'époque. J'étais sur Orléans à ce moment-là. C'était à l'époque, hein. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a à faire. Ok, d'accord. Bon, là, je suis en train de te perdre un petit peu. Là, ça devient un petit peu limite à par endroit. Ok, ça marche. Bisous sur le front. Bonne journée à toi. A plus. Attention, les stations fréquences dans le secteur de Tours pour Dindé 33 qui l'en s'appelle. J'étais trompé sur le QTH. Attention, les stations fréquences sur la route pour Dindé 33 qui l'en s'appelle. Alors, j'ai vu le panneau marqué tout, non, c'est juste la direction. Eh bien, on va attraper l'autoroute. Alors, on était sur la National 10 jusqu'à maintenant. Ah, ça part derrière. J'ai entendu quelqu'un, c'était très très QRP, hein. Je viens d'attraper le péage, justement la direction Tour Paris. Et ce sont 13:51 la station, mais là c'est vraiment trop QRP de mon côté, de la part de Dindy 33. Ça passe.
vais redémarrer la caméra parce que là j'ai entendu du monde derrière. Ah. Les stations que j'ai entendues là derrière dans le lointain de la part de Dindy 33 sur l'autoroute A10 dans le sens sud-nord. C'est la bonne, on est au sud de Toulon. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile sur l'autoroute de, enfin l'autoroute, la voie rapide, si, la A10 au sud de Toulon. Oh, ça moustache. Attention les stations fréquences du côté de Tours pour Dindy 33 qui lance appel à mobile. Bon, vu l'heure, c'est pas encore l'heure de l'apéro là. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel à mobile sur la A10 dans le sens sud-nord, à côté de Tours. Voilà, quasiment arrivé à la sortie 21 Tours Centre. Chantier dans 70. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile. Monde.
Ou alors c'est le QRM. Sur les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile sur l'autoroute A11. Ah, j'ai pourtant entendu quelque chose, mais c'était beaucoup trop de clair pris de mon côté. Attention, nounours en kimono et chocolat pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention, Drakkar pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention, les stations fréquence pour Dindy 33 qui lance appel à mobile depuis l'autoroute A11 A28. Presque. Derrière, trop loin.
direction la station fréquence pour Tandy 33 qui lance appel en mobile sur l'autoroute A28. Et 73-51, la station de Dundee 33. De Dundee 33 sur l'autoroute A, A28, je crois. La A20, je vois pas. Et c'est la combien, Fabien ? La A13 sur l'autoroute A13. Je suis en train de remonter vers le nord, voilà, je suis pas loin de la sortie 21 là, sur l'autoroute A13. Alors, non, il y a une erreur sur l'autoroute, c'est la A28. A28. Non, c'est le GPS qui s'est trompé, qui s'est plus où il habite. Ah, je suis trop Non, on est sur la A28, presque à la hauteur de la sortie Beaumont-Badon et sortie 21. Voilà. Et là, on est en train de monter sur le Pas-de-Calais. Et on arrive de la Gironde. Je t'entends très très QRP là et j'ai pas mal de bruit dans le push, j'ai trois coups et du coup j'ai rien compris. Sur la direction de moi, la prochaine, sur la direction de moi. Attends, je fais pas exprès, mais c'est vrai que là tu mets un QRP, là j'ai du mal à te sortir. Moi je t'entends bien, mais bon, il y a un écho derrière. Non, ça, c'est là, mais bon, je suis bien loin de toi quand même. Ah, le signal est assez petit là de mon côté. Bon, j'ai réussi à te comprendre là, sur la fin. Ça, oui, d'accord. Voilà, j'arrive à la sortie. Je suis presque à la sortie ma mère, sortie 20. Direction ma mère, c'est une direction. Non, mais je suis combien loin de toi ? Je suis en forêt des Coupes, quoi. Je me trouve à 15 km au nord de la ville d'Alençon, sur le massif forestier des Coupes. Ok, d'accord, là je suis en train de passer là, je crois que c'était un pont, je sais pas. Enfin bon, bref, là où je suis passé, je vais essayer de sortir un petit peu mieux. D'accord, ok. Ben oui, je suis en train de rouler, là c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas évident, mais bon, on va se rapprocher, ça ira peut-être mieux tout à l'heure. Si j'ai bien compris, tu as un peu de propague de ton côté, je sais pas. Tout à l'heure, j'étais faire un tour un petit peu à droite, à gauche, sur les sup, en VLU, tout ça. Bon là, c'est vrai que c'était calme au moment où je suis allé voir. Là, pourtant, là, tu es à la minute même, tu es le seul que j'entends là. Ouais, c'est vrai que là depuis quelques temps je vois de mon côté là sur la Gironde, l'Est Gironde, enfin du côté de Saint-Émilion là dans ces coins-là, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas grand chose du tout moi de ce côté-là.
C'est vraiment calme. Et pourtant, il y a quand même quelques ouvertures sur l'Amérique du Sud, l'île de la Réunion, un peu le Québec aussi. Le Québec, ils arrivent à entendre le nord de France. Il y a quelques ouvertures qui se font, mais c'est très court, très bref, très sporadique. Et t'habites le département derrière vous, alors ? Affirmatif. Oui, je suis du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, sur le département de la Gironde. Et là, on est en balade. On monte sur le Pas-de-Calais, aller voir le fiston. Ah, affirmatif, bonjour. Bah oui, c'est bien la Gironde, il y a beaucoup plus de soleil que chez nous. Moi, j'ai un de mes cousins qui habite au Mont, là, il est parti habiter la Bangé. Il habite dans un rapport loin de... chez moi, sans doute, dans les parages, tout le temps qu'il habite. Et il a acheté une maison là-bas, et puis bah, il vit là-bas, là. Oui, voilà, justement, j'allais y venir. Tu sais, on entend souvent dire l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Ce que je vois là cet été, par exemple, mais les températures, ça tournait autour des 37, 40 dans ces zones-là, quoi. Alors, mieux sur la Gironde, je suis pas forcément convaincu. À moins d'être un gros frileux, et là, ok, d'accord. Je suis pas trop étonné, hein, puisque je vois si on prend l'exemple, par exemple, l'été dans le centre de l'Australie par là, c'est aussi des températures de 52 degrés qu'il y a. En Afrique centrale par là, c'est pareil aussi, hein, ça crie pas mal. Hein. Et comme la Terre se réchauffe en ce moment, ça commence à nous rattraper. Parce que je vois, on a quand même des températures de je sais plus, 42, 43, je crois, cet été, au maximum. Ouais, je crois que ça tournait autour de ça. Donc, il n'y a plus grand-chose après, mais avant d'arriver à de tels trucs. Hein. Alors, c'est pour ça que, tout à l'heure, tu me disais que... tu as entendu dire que la Gironde, c'était mieux que la Bretagne. Je ne suis peut-être pas forcément d'accord. La Bretagne, en ce moment, il fait pas mal chaud aussi. Hein. Et je vois, par exemple, là où on va, la plus au nord, sur le Pas-de-Calais, je crois qu'hier, ils avaient 31 ou 32, quelque chose, 31 degrés, ouais, apparemment, aussi. Hein. Donc, pour trouver la fraîcheur, je ne sais pas trop où aller. Quoi. Oh ben la Normandie c'est bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez dire que c'est en ville, enfin il y en a qui étaient venus en vacances du sud en Normandie pour avoir de la fraîcheur, mais ils sont repartis vite fait parce qu'ils ont dit vraiment de la fraîcheur, il y en a trop. Ben non, ça ne nous intéresse plus, les terrains de camping ils se sont vidés dans l'espace de quelques jours, il n'y avait plus personne. Enfin nous quand ils tombent de l'eau, ben normalement en Bretagne aujourd'hui ils doivent tomber de l'eau. Quand c'est parti à tomber, comme on dit, ça, le lendemain, tu vois pas le soleil. Hein. Bon, quoi, ça dure 15 jours. Et puis après, bon, de temps en temps, on a le soleil, comme aujourd'hui, bon, il y a du soleil. Hier soir, il tombait des gouttes, et puis ce matin, bon, on a du soleil. Ça déjà tout de suite, au soleil, là, il fait 34 degrés, là, tout de suite. Oui, un soleil. Et quoique, la Normandie, hein, tu attrapes le climat anglais avec, hein. Donc forcément. et l'Angleterre, c'est un pays où peu importe la saison, de toute façon, tu as intérêt à avoir un parapluie avec toi, à chez toi. Donc la Normandie qui est éclaboussée par ça, je ne suis pas trop étonné. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? Alençon, j'ai la sortie Alençon là, qui approche. Tu vois là. Donc voilà à peu près à quelle hauteur on est sur l'autoroute. Ah, c'est pratique, voilà. Moi, je suis pour moi d'Alençon, moi, je suis à 15 km d'Alençon, voilà. Ah, bah, c'est super, tout ça, ça marche, c'est pas le tout. Il y a tout ça, pareil, pour aller manger. Je suis pour moi, parce que tu m'en as fait rire. Ah,
vu l'heure, ouais, je dirais que là, c'est même l'heure de l'apéro. Hein. Bon, pas trop pour moi, parce que je suis au bon endroit. Ah, si. Mais bon, ouais, midi moins 20, presque. Effectivement, ça approche tout doucement. Donc, j'étais sur la Gironde. Tu connais peut-être Colibri, Colibri, tu connais, non? Oui, du côté de la question de 16 sur Angoulême, affirmatif. J'étais en QSO tout à l'heure, justement. Oui, on se connaît bien, on se connaît de longue date même. Ah oui, mais ben, il y a des fois j'y parle, il y a des fois j'arrive à l'écouter. Voilà, et vous, pour l'instant, vous attendez. Quand la propagation va arriver, c'est en retour de M. Colibri sur le département de Seine, le département de Charente. Et pour l'instant, on entend dire. La valise de la station, on s'envoie les pensées, ce soit c'est impressionné. La prison. Ok, merci. Bon gastro solide, 73 51 212 de la part de Dandy 33. Voilà, sur l'autoroute, je ne sais plus quel numéro, j'ai dit tout à l'heure, à 28. Voilà, en direction du Pas-de-Calais. Et bien, à plus sur les ondes. Merci, salut, bye. Il y a de la propague. Je vais démontrer le canal 6. C'est que c'est bon signe. Attention, station fréquence pour Dindé 33 qui lance appel depuis le nord-ouest de France. Attention, station fréquence pour Dindé 33 qui lance appel depuis la A28. Attention, les stations fréquence pour Dindé 33 qui lance appel depuis la A28 au kilomètre 245. CQ 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 CQ
sur les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis la A28 à la hauteur de la sortie 14. Attention Barracuda 56, attention Dracar, attention Nounours en Kimeux au chocolat pour Dindy 33 qui vous appelle. Attention Dracar, attention Barracuda 56, attention Nounours en Kimeux au chocolat pour Dindy 33 qui vous appelle. Ça, c'est les Américains qui entendent derrière à la place. Attention Michel, 14 km 62, je sais plus combien, pour Dindy 33, 14 km, 33-01 qui t'appelle. Attention les stations à fréquence pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis la A, je sais même plus, je sais pas, depuis la route. Attention à la station fréquence pour Dindy 33 qui lance appel en mobile. Et 73-51, la station qui a fait Dracar de Dindy 33. Complètement d'AIQRM, je te perds en plus, là je suis en train de rouler. Là c'est pas évident là de mon côté de pouvoir te sortir et pas évident de faire avec les sirènes non plus, Hachi.
Attention, Barracuda 56, Draker, Nuno sans guimauve au chocolat pour Dandy 33 qui vous appelle depuis la ville de Rouen. Attention, les stations locales pour Dandy 33 qui vous appelle, ah bah non, qui vous appelle plus, je vais rentrer dans un souterrain. Bravo. Il va falloir qu'il s'arrête là, à un moment donné, non? En 400 mètres, tu peux faire la gauche, la ligne à marquer. Ouais. Bon, on va décaler, voici, on est bon, elle va. Les stations fréquence pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis la N28 à Rouen en direction du nord. Attention, Barracuda 56, Drakkar, ah ben non, je vais à nouveau passer dans un tunnel. Hachi. C'est les Américains qui me répondent là. Ah, chie trois coups. Attention Michel, 14 km 62, je ne sais plus. Ah, chie, pour 14 km 33-01 qui t'appelle. Attention Barracuda 56, attention Drakkar, attention Nounours en guimauve et chocolat pour Dandy 33 qui vous appelle. Hop là, j'ai cru entendre quelqu'un là au milieu de la mêlée de MUM, enfin au milieu des Américains, les 73-51 la station de Dandy 33, opérateur Rémi. Encore là sur l'autoroute, là au sud de Calais. De sortir de là, rentrer dans le Calais et puis voir après si l'eau est chaude. Enfin, je sais pas, peut-être un peu. Non. D'abord l'hôtel, après on verra. Hachi. La sortie 43,
station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel à mobile depuis le site de Calais. Calais, 3 minutes d'arrêt. Ah non, ça c'est le train ça. Les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis le sud de Calais, du côté de Burger King et ainsi de suite. Hey, je fais pas de pub. Bon, d'accord. Voyons un peu côté propague. CQ CQDX, à appel de 14 km, 3301 opérateur ami, qui lance appel en mobile depuis le Pas-de-Calais, sud de la ville de Calais. Canada, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le nord-ouest de France, le Pas-de-Calais.
on est rendu. Faut qu'on fasse demi-tour. Les 73 QSY sur la fréquence de ton choix. 27325. 325, c'est parti. Ah oui, 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 bah oui, 325, logique, c'est parti. Rendu. Rendu. Oui, bonjour, bonjour, ici 14 km, 6222, opérateur Rodrigue de la ville. Les 73-51 retournés, 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33 mobile, dans Calais également. Là je suis au sud, ouais, sud de Calais, sud-est de Calais. Eh bien on s'en va, on est arrivé là tout à l'heure. Et puis là on s'en va voir le fiston, là qui a débauché là il n'y a pas longtemps. On va voir le fiston et sa petite famille. Ah, tu m'étonnes, c'était excellent, c'était super. Bah, tiens, ouais, mais on est pas mal, on est pas mal de kilomètres, hein. Il y a deux autres du Calaisie, hein. Il y a l'opérateur Thierry, il y a l'opérateur Alex également. On fait tant des petits QSO locales, c'est sympathique. Ah, bah oui, il faut, hein, j'ai bien raison. Là, j'essayais d'appeler. Ah, bah, ça y est. Ah putain, j'ai le prénom sur le bout de la langue. Michel. Michel, voilà, merci. J'ai essayé d'attraper Michel. Michel, de Calais également. Alors, non, de Calais, non, du Pas-de-Calais, oui. 14 km, 62, 12. Ouais, je crois que c'est 12 à la fin. Ah oui, oui, c'est avec le tractopelle, si je me trompe pas. Affirmatif, c'est ça exactement. Oui, oui, c'est bien lui. Bah écoute, content, je ne l'ai pas pu monter. Je n'ai pas pu monter là, à cette période, c'était cool. Voilà, j'espère que tu as fait bonne route, que tu as fait des bons petits QSO, des belles petites vidéos également qu'on va retrouver, que ça va te diffuser et que ça va être génial. Affirmatif, justement, c'est pour ça que là j'en ai démarré une, là, en vitesse, hein, j'étais pas parti pour, parce que je crois que c'est l'Espagne que j'entendais, je sais pas trop, mais c'est bon, j'y comprends rien, je sais pas quoi, attends deux secondes, bon d'accord, j'ai compris, allez, faut se jeter dans la mêlée, et j'y vais, voilà, j'ai un espèce de rond-point, là, je peux te dire qu'il est actif, celui-ci, là, c'est là où il y a, oui, c'est là. C'est là où il y a le c'est quoi le Chanel? Oui, c'est ça. C'est ça, la je sais pas ce que c'est. La scène nationale. Le Chanel, scène nationale. Oui, eh bien, t'es au niveau du Fourniolet, hein, sur ta gauche, t'as les deux stations essence et je pense que tu vas appuyer tout droit vers Plériot, vers la plage. Non, vers Marc. Alors, non, on va pas à la plage, on va. C'est comment c'est? À Marc. À Marc? Oui, voilà. À Marc, on va. Tiens, c'est pour Marc, ouais, bon. T'aurais pu filer un peu plus sur le rubans, parce que là. Bah, eux ont décidé d'habiter là-bas, donc voilà. Ah, chie trois coups. On va, on va les rejoindre là, directement chez eux. Là. Et autrement, là, pour tous les ans, maintenant, de toute façon, on est amené à venir à cette même période, hein, ici. Hein. Ouais, je me souviens, ouais.
préparé les fêtes de Noël, je crois, l'an dernier. Et puis, surprise, franchement, bon, j'ai tout de suite reconnu le petit écho, la petite module. Mais disons, c'est pas beauté, ça fait un bail. Moi, j'ai plus l'antenne. L'antenne 5-8ème, voilà, pour plein de raisons. Et je suis repassé sur une Scoopidoo qui marche très bien, mais alors, niveau propague, faut vraiment que ça balance, quoi. Bon, ouais, sinon, ça arrive quand même pas. C'est vrai qu'avec cette antenne, je t'entends plus du tout, on voit très rarement, quoi. Ok, attends, je me suis trompé de route. Que je règle le problème. Voilà, vite fait, bien fait. Ok, ouais, je me suis trompé de route. Hein. Je papote. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre antenne? J'ai pas compris. Elle est tombée? Oh non, c'est pas question de tomber, ni de technique. J'étais un petit peu déçu quand même au niveau de la réception. C'était par rapport à ce que j'avais bricolé. Je pensais que c'était, ça aurait été mieux, je l'ai monté plus haut, mais bon, je vais rapprocher un peu des bâtiments, du bâtiment, du béton, quoi. Et j'étais pas satisfait. Après, un collègue là, sur Boulogne-sur-Mer qui était intéressé à me la racheter pour le mobilhome qui était en Vendée, etc. Moi, j'ai dit, vas-y, bon, comprends là. Donc, il est parti avec, que le coax, puis je suis revenu sur la Scoopidoo. Un peu plus bas, mais bon, j'ai eu de bons contacts quand même. Hein. J'ai souvent l'ami. J'ai souvent le moustique aussi pour les plages, ça passe bien de ce côté-là, mais alors il y a des régions un petit peu difficiles. Oui, 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 c'est vrai. Et puis bon, il n'y a pas à chier, hein. il faut choisir l'antenne en fonction de la région, hein. En fonction de son QTH plus précisément. Hein. Et sinon, c'est vrai, tu n'es pas forcément content du résultat. Chez moi, toi, je suis sur une 5-8ème. Mais bon, une demi-onde aurait peut-être été mieux vu que j'ai pas mal de relief. Ouais, c'est ce que je pense, c'est ce que j'avais eu il y a quelques années, ça marchait très bien la nuit. J'ai voulu penser et prendre un peu plus haut de gamme en prenant une 5-8ème, en fait c'est pas une question d'haut de gamme ni de. C'est vraiment un relief qui fait tout. Donc en me rapprochant du béton avec une 5-8ème quand même neuve, en fait c'était pire. Donc lui il était content de l'achat. Moi là au QRA j'en ai une qui a une super réputation justement pour le DX, là c'est la Silver Bantomabit, mais elle est bien c'est vrai, ok, mais à condition d'être en terrain dégagé et pas de QRM, parce que bon déjà c'est une 5-8ème donc ça tire bas sur l'horizon, le fait qu'il y ait des radiants, bon ben ça attire les QRM. C'est vrai que c'est des petits détails auxquels il faut faire gaffe. Quoi. Voilà, c'est à peu près le même principe. Moi, c'était la GP27 en 5-8ème, qui était, je ne sais plus, mon jeu dans les 90. Et puis, bon, quand il était content, c'est ce qu'il voulait pour son patelin. Donc, j'ai même livré sur Boulogne, j'ai livré chez le beau-frère qui était charcuterie ou boucherie à Chy. J'ai repassé des saucissons et du jambon, c'était impeccable. T'en as fait une balade du dimanche et puis il était content, tout le monde était content. Et puis moi, j'ai descendu l'aérien qui était un petit peu trop visible des voisinages. Ah là là. Je vois. Eh bien tiens, au QRA, là, j'ai mis une deuxième antenne en place. Alors bon, j'ai la 5-8ème d'un côté sur un pignon, donc la Sigma Motorbit. Et sur l'autre pignon, j'ai une... je sais plus ce que c'est. Une carbonde avec 3 radians. C'est là... Bon, peu importe, tu vois comment aller. Cardo d'entier avec 3 radians pour être mis en fixe. Et bien là où je suis précisément, ben, suivant les moments, et ben, tu vois, j'ai les mêmes choses sur les deux antennes. Hein. D'ailleurs, tu as dû voir qu'il m'arrive des fois de faire des directs en SDR. Et bien je suis sur ma carbone dans ces cas-là. Ouais, bien, j'ai fait à peu près le même système ici. J'ai fait, à ce qu'on dit, tu connais un peu l'ampleur.
tu m'étonnes. Donc là, ce qui veut dire que le rayonnement de ça n'est plus du tout le même. Et bon, la Scooby-Doo, évidemment, il n'y a pas de radiant. Hachi. Donc déjà, là, tu limites le fait que ça attrape les QRM. Ah oui, là, je suis bien de quoi, il n'y a pas de problème. Ouais, sinon, ça me rappelle là il y a quelques temps là quand il y avait eu de la propague là sur le département français. Ah tiens, en fait c'est là maintenant que je t'entends mieux, hein. Tu vois, là je m'éloigne, la modulation est meilleure là maintenant. Oui, il n'y a pas très longtemps là, quand je sais plus à quel moment là, quand il y a eu de la propague là sur le département français, j'ai eu quelqu'un sorti 48 et je dois attraper, j'ai eu quelqu'un, oui, du nord de France ou du Pas-de-Calais, je sais plus, avec justement une antenne de balcon. Et ça passait bien, ça marchait bien, oui, effectivement. Oui. Ah, il y a de grandes chances que c'était lui. Voilà, c'était. À mon avis, souvent mobile aussi, avec un petit. Bon, je ne sais plus, un petit 2996. C'est des petits portables, et puis voilà, avec ça, une petite batterie auxiliaire, et voilà, la pêche. Et une petite boomlette sur un petit mot, il fait de la carte, et tranquille, quoi. Oh, mais ça me parle! Il n'est pas des fois sur les réseaux sociaux, il n'a pas des fois posté des photos? Ah si, c'est lui, il l'a fait la dernière fois sur la plage vers Blériot, ils ont avec un petit sac à dos, une petite batterie, et puis ils ont fait un petit poste, donc moi je l'ai rencontré plusieurs fois, je l'ai croisé plusieurs fois, je l'ai rencontré une fois, on a discuté un bon moment, on a fait un petit peu son matériel qui était dans le poche, etc. Et puis en plus, s'il passionné une moto, il était. D'accord, alors attends, parce que là on n'est pas d'accord avec le GPS. Là au stop marque c'est à gauche et le GPS nous dit à droite. C'est quoi l'embrouille du GPS? Bon, autrement, oui, ok, je vois qui c'est. Ouais, je vois très bien ses photos et tout, ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, il se débrouille bien. Je ne sais pas comment il a réussi à faire que ça passe bien comme ça, mais il se débrouille bien avec son matériel, c'est clair. Hein. Puis en plus en FM, si tu n'utilises pas le scratch, bah, tu deviens sourd au bout d'un moment. Hein. Et donc en FM, tu as vraiment intérêt à ce que la station soit pas loin. Parce que du moment que tu commences à le perdre un petit peu et tout ça, tu es obligé de sortir le scratch, tu te pètes les oreilles. Non, c'est vrai que je préfère soit la M, soit la BLU. Bon, permettez surtout, là j'ai pas compris. Mais bon, il faut. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis il faut pas bouger quoi. Tu utilises le scratch, faut pas être en train de rouler par exemple, un truc comme ça. Parce que là tu t'embêtes deux fois plus avec la conduite. Ah bah c'est ce que je disais, surtout quand t'es en QSO, enfin quand t'es QQ, et que tu fais un convoi, ça va. Bah t'as le squash, voilà, au pire,
d'accord, compris. D'accord, ouais, effectivement. Et le truc là, il est en train de nous faire tourner en rond là. Mais non, mais c'est. Si ça se trouve, on aurait tourné à gauche tout à l'heure là, au stop, qu'on serait peut-être arrivé plus directement. Bon, voilà, on est en train de passer le panneau marqué. Ah, parce que des fois, ça dépend des GPS ou des applications que tu utilises, je sais pas ce que t'as mis. Mais souvent, ils vont faire passer à côté où tu vas gagner un peu de gasoil, mais tu vas perdre un petit peu de temps, etc. Et puis, il va te faire faire un tour dans le véhicule. Ça va arriver la dernière fois du côté de. Ok, bon ben on est rendu. Je t'ai envoyé le 2351. Merci de m'avoir accompagné jusque là. Et je te dis, on reprend la route mardi. Donc on aura certainement l'occasion de se recopier d'ici là. Allez les 7351, merci et à plus. Ok, merci. Puis en plus, ici, c'est saturé du QRM. Mais bon, j'ai réussi à te sortir quand même. Les 7351 retournés. A plus. Et bien de bonjour. Les bonnes 113 aussi à tous les autres kilomètres qu'il y a sur la région. Merci. Bye.